Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles de l'image. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2024. Que tout ce que vous avez demandé se réalise, hein, la prospérité, l'abondance dans tous les domaines. Voilà. Je voulais aussi vous remercier de votre présence, de votre soutien. Voilà, vous m'avez fait vraiment passer une année 2023 magnifique. Donc, pour moi, ça a été très, très, très enrichissant. Merci de me récompenser, de récompenser mon travail, hein, par un pouce, un commentaire, un abonnement, voilà, si cela vous parle, bien sûr. Et pensez aussi que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Si vous voulez une lecture personnalisée, vous avez tous mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, alors on y va avec mes amis lions, s'il vous plaît, mes guides. Quelle thématique pour le mois de janvier 2024? La thématique pour les lions, c'est celle-ci. La thématique pour les lions du mois de janvier. Alors, mes lions, vous êtes bloqués, vous êtes stoppés, vous êtes à l'arrêt avec le pendu. Ouais, je pense que vous vous sentez bloqué quelque part. Alors, on va aller voir avec l'énergie du mois de janvier 2024, mes amis lions, s'il vous plaît. Lion, janvier 2024. Allez, Lion, janvier 2024, elle est là. Et oui, vous êtes bloqué parce que vous avez un choix à faire, mes amis Lion. Vous êtes sur un nouveau cycle, évidemment, avec le 10. Hein, donc là, vous démarrez un nouveau cycle. C'est sûr que, comme vous allez me dire, ben, c'est normal, on est au 1er janvier, donc c'est normal qu'on commence une nouvelle année. Bon, mais enfin là, c'est vraiment un nouveau cycle. Et on vous dit, vous avez un choix à faire. C'est pour ça que là, ben, vous vous posez quand même pas mal de questions. Et ça vous bloque dans votre... Pour l'instant, vous êtes encore bloqué. Hein, mais bon, dans le mois de janvier, vous allez vous débloquer. Ça, c'est clair. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? Donc, retrouvez, voilà, vous allez vous rééquilibrer. Et puis, vous allez être aidé par les anges. Hein. Donc, ne vous... Faites pas trop de mourons, on va vous dire. Voilà. Alors, est-ce que ça va tenir? Oui. On va y aller avec l'oracle miroir. Pour mes amis lions, janvier 2024. Oui, on me dit que vous allez retrouver votre tranquillité, là. Allez, lion, janvier 2024, s'il vous plaît. Lion, j'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on est parti. Lion, janvier 2024. Quel message pour des amis? Lion, janvier 2024, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les lions. Merci. Allez, janvier 2024 pour mes amis lions. Alors. Est-ce que je pourrais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît? Deux autres messages. Je vais aller chercher. Merci. Waouh! Je vais prendre celle qui a sauté toute seule. Ok. Bon, ben, c'est bien ce que je me disais, hein, c'est que c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir prendre une décision pour vous rééquilibrer. Vous allez prendre la parole, vous allez voir, vous allez avoir de la clairvoyance, vous allez vraiment voir plus clair dans votre situation là, début janvier. Hein, ça va s'éclaircir. Hein, et vous allez pouvoir vous exprimer pour pouvoir vraiment prendre cette décision et ça va vraiment
vous rééquilibrer. Hein. Regardez, on a quand même la victoire. La victoire, l'évolution et le magnétisme. Et c'est un cadeau divin. Hein. Regardez les cartes que vous avez hein, en dos de deck, mes amis. C'est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Il y a vraiment. C'est que du positif. Hein. Donc, vraiment, vous n'allez pas rester bloqué longtemps. Hein. Entre la victoire, l'évolution, le miroir magnétique, hein, donc voilà, ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir, c'est un cadeau divin. Hein. Vous avez une nouvelle ouverture, donc peut-être une nouvelle destinée, mais très, très, très victorieuse. Hein, avec le soleil, ça va être vraiment quelque chose de rayonnant. On vous dit que là, vous allez pouvoir. Alors, soit vous allez un nouveau job, un nouveau une nouvelle opportunité, d'accord? Mais vous êtes protégé. Hein, et regardez, le verdict est tombé, grand succès au rendez-vous. Hein, donc, ça va être pour vous une chance. Vous allez pouvoir vous projeter. Hein. C'est vraiment magnifique à votre tirage là. Hein. Le dos de deck, rien à dire que du positif. Hein. Donc, allez, on va continuer avec l'oracle G pour vous, mes amis lions. Alors, si vous avez une problématique qui vous bloque actuellement, vous allez pouvoir vous exprimer pour la débloquer. Allez, sur la parole, s'il vous plaît, que pouvons-nous dire sur la parole? S'il vous plaît, un message pour la parole. Merci. Bon, oui, vous allez montrer la valeur, votre valeur, votre potentiel. Ouais. Tout ce que vous pouvez apporter de bien dans cette situation où vous avez ce problème, cette problématique qui vous bloque. D'accord? Vous allez pouvoir apporter voilà, tout le potentiel. Sur la loi, ben regardez, on a encore la loi et on a des signatures officielles. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et sur la clairvoyance, sur la clairvoyance, ben oui, vous allez vous. Il va y avoir un. Vous allez apporter un changement à votre situation. D'accord? Ouais, 3 et 2, 5. 5, c'est le changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise. D'accord? Regardez, on a un grand bonheur. On a un grand bonheur. On a quand même la période estivale, la période de l'abondance. D'accord? Là, il vous manque plus que les pommes rouges pour que tout soit équilibré. D'accord? Donc, au mois de janvier, effectivement, vous allez avoir le grand bonheur, l'abondance. De la fidélité, des amis fidèles qui peuvent vous aider à vous stabiliser, d'accord? Vous allez pouvoir vous exprimer, encore une fois, mon ami le consultant, hein, que vous soyez, voilà, homme-femme, et c'est la polarité masculine, retrouvez votre sérénité, votre équilibre et la paix de l'esprit, hein, d'accord? Et la transformation. Regardez, et la chance, la prospérité, l'abondance. Donc, effectivement, nous n'avons que des belles cartes aussi avec l'oracle G en dos de deck. Moi, je dis là, mes amis lions, vous êtes vraiment, vous commencez l'année 2024, sur les chapeaux de roue. Allez. Donc, oui, ce blocage, cette réflexion. En fait, je pense que ce n'est pas un blocage, mais c'est une réflexion que vous devez vous faire, mes amis. Hein, pour pouvoir vraiment amener ce projet, ce projet pour résoudre cette problématique. Hein, d'accord? Allez, pour les lions, janvier 2024, s'il vous plaît, avec le Béline. Donc, allez, sur la parole, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, voilà. Vous sortez du cloître. Vous sortez du cloître parce que voilà, 52, 5 et 2, 7, c'est le chariot, hein, c'est le chariot dans le tarot. Donc vous y allez, vous foncez vers la victoire, d'accord?
Le 7, c'est aussi, vous allez transformer le plomb en or. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un changement. Le 5, c'est le changement. Le 2, c'est qu'il y a une dualité ou il y a un duo. D'accord? Donc, mettez, voilà, regardez comment que ça vous parle. Mais pour moi, vous sortez du cloître, vous sortez de votre enfermement, vous prenez la parole sur la loi, s'il vous plaît. Sur la loi, s'il vous plaît, pour les lions janvier 2023. Sur la loi, alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir beaucoup d'intuition, hein, vous avez de l'émotion avec la lune, c'est clair. Le 11, c'est la force, donc vous allez avoir la force de combattre, de pas vous. Voilà, on vous dit ne vous sabotez pas. Voilà, gardez votre force, gardez votre intuition, mais ne vous sabotez pas. Allez, sur la clairvoyance. Clairvoyance pour les lions, janvier. Ouais. Eh bien, la clairvoyance, c'est au niveau professionnel qui va, voilà, vous allez apporter un résoudre cette problématique au niveau professionnel. Hein. Vous allez avoir un choix à faire, donc un nouveau poste, un nouveau contrat, un nouveau quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau et de bien qui vient vers vous. Hein. Regardez, on a encore les plaisirs. Les plaisirs, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous allez pouvoir gérer votre famille correctement. Il va y avoir effectivement des pourparlers. Donc, effectivement, nous avons la parole, nous avons la loi, nous avons les contrats, la signature officielle. Donc, si vous ne vous sabotez pas ou si quelqu'un ne vous trahit pas, d'accord? Restez fort sur cette position-là, d'accord? Mais vous allez sortir de votre enfermement pour prendre la parole. Et effectivement, il va y avoir des pourparlers. Mais si vous allez trouver votre destinée. Ouais, c'est bien ce qu'on me dit. Hein. Ne vous sabotez pas. Ne mettez pas un stop quelque part. D'accord? Voilà. Il faut vraiment que vous vous débloquiez là. Hein. Le pendu, c'est ça. Il faut vraiment voir la situation autrement. Parce qu'il y a quand même les pénates hein, qui viennent après. Et vous coupez court à tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, quoi. D'accord? Ouais. Vous allez voir, hein, vous allez découvrir votre étoile. Ouais. Ouais, regardez, vous allez avoir les honneurs. Les honneurs, vous allez pouvoir réunir ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment vous allez pouvoir vous libérer de cette entrave. D'accord? Si vous ne vous sabotez pas ou si vous en, voilà, si, si vous empêchez, vous empêchez pas les autres de vous trahir, vous allez pouvoir avancer. Ok, mes amis Lyon? Allez, on va passer au relationnel. Allez, relationnel. Et après, on fera le sentimental avec l'améthyste love. Alors, relationnel avec Mademoiselle Lenormand. Donc, relationnel, hein, c'est familial, sentimental, amical. Voyez comment que ça vous parle, hein? Allez. Pour mes amis Lyon, janvier 2024, s'il vous plaît. Quel message avons-nous pour les Lyons, janvier 2024? Janvier 2024, pour mes amis Lyon, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un message? J'allais chercher les cartes. Bon, ça s'éclaircit niveau relationnel. Hein. Oui, comme vous prenez la parole, donc évidemment, il peut y avoir des éclaircissements. Alors, pourrais-je avoir des messages, s'il vous plaît? Pour les lions, janvier 2024.
Ouais, on a encore le chien, donc des amis fidèles, la loyauté, vraiment, je pense que mes amis, vous êtes bien entourés, hein. Ouais, merci. Ouais. Là, ce qu'on me dit, c'est que on a encore le chiffre 4 et 3, 7. Hein, donc, effectivement, là, c'est que là, on vous dit arrêtez de tourner en rond, quoi. Vous avez la solution qui est là. La solution, elle est sous le porche. Vous avez la bonne personne qui vous attend, qui est là, qui peut vous aider à vous sortir, à prendre ce choix. D'accord? Donc, effectivement, mes amis, ne perdez pas. Ne vous perdez pas en chemin, quoi. D'accord? C'est cet ami loyal, c'est peut-être cette personne qui est sous ce kiosque, hein. Donc voilà, vous avez des éclaircissements qui vont arriver, hein, donc, de manière, c'est assez clair. Et vous allez pouvoir vous ancrer. Il va y avoir beaucoup de communication, vous allez avoir la chance. Et la porte qui ouvre tous les cœurs, hein. Donc voilà, effectivement, il peut y avoir une nouvelle relation amoureuse. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très fort, d'accord? Mais on peut me dire aussi que dans le relationnel, vous allez pouvoir vraiment prêter plus attention à une personne qui est loyale, qui est fidèle, voilà, qui va vous apporter les solutions, d'accord? Vous allez avoir l'étoile. Ouais, vous allez avoir l'étoile. Et puis là, avec le livre, on peut me dire que vous allez, peut-être que vous avez des problèmes, enfin des dossiers administratifs, vous allez peut-être découvrir des secrets aussi, mais vous allez être vraiment aidé, hein. Ouais. Avec le livre, cette personne, cet ami fidèle et loyal qui va peut-être vous apporter des réponses. D'accord? Donc, c'est. Ouais, vous avez quelqu'un de confiant. Voilà. Donc, écoutez, suivez les conseils, mais ça va vraiment vous apporter les bonnes solutions. Vous allez pouvoir prendre le bon choix. Allez, sentimental avec l'améthyste love. Bon, on a un retour du passé. On va voir. Il y a quelqu'un du passé qui devrait, voilà, qui va. Ouais, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix avec quelqu'un du passé. Hein, ça fait deux fois qu'il ressort. Hein. Allez, pour mes amis Lyon, janvier 2024. Qu'avons-nous comme message pour mes amis Lyon, janvier 2024? Et merci. Oh. Alors, on a le consultant. On pose l'éphémère. OK. Allez, merci. Et ben voilà. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Bon, vous êtes prêt à soulever les montagnes. Vous voulez plus de, ouais, vous voulez plus de d'épreuves. Là, vous arrêtez les épreuves. Hein. On me le confirme. Là, parce que là, vous connaissez une période de gel, de stress, et vous avez des doutes. Ouais. Sentimental, vous n'êtes pas au top du top, hein, mes amis Lyon. Hein. Mais voilà. Là, ce qu'on me dit là, c'est que oui, vous avez vécu peut-être des moments éphémères, des moments chaleureux, enfin, des moments oui, chaleureux et détendus, des moments très fusionnels. Mais c'était que éphémère. C'était voilà, c'était que éphémère. Donc voilà, vous êtes en pause. Vous avez une période de pause. Donc mais vous êtes protégé, vous avez vos guides, vos anges, enfin, tout dépend comment vous les appelez, mais on vous dit bien qu'ils sont là, ils vous protègent, ok?
On me dit bien que vous allez avoir un nouveau départ parce que vous voulez plus d'épreuves. Vous voulez plus subir des épreuves. On me le confirme que vous êtes vraiment dans une période de gel après des prises de tête, des doutes. Donc, voilà. Voilà, vous rêvez de nouveaux projets dans le mois qui vient parce que vous voulez un amour passionnant, envoûtant et un amour inconditionnel, quoi. Ouais, un vrai amour, quoi. Donc, je pense que mes amis Lyon, ouais, c'est pas pour le mois de janvier, je pense, ouais. Je pense que la rencontre se fera plutôt courant février, hein, parce que, bon, elle est très, très loin dans le dos de deck, hein. Ok, on a une rencontre, mais pas tout de suite. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Ce qui nous dit, mais il y a un nouveau départ. Voilà, vous allez vous reprendre en main. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez vous reprendre en main, mes amis Lyon. Vous pouvez aussi être en relation, mais relation éphémère, quoi. Quelque chose qui ne dure pas. Voilà. C'est peut-être chaleureux, détendu, mais c'est tout. Hein. Il y a de la fusion, mais on vous sent quand même en pause. Alors. Ouais, il y a un regain de vitalité après une période de. Une période dure. Hein. Ouais. Quelque chose. Ouais. Ouais, là, on me dit que vous allez quand même. Il va y avoir donc un regain de vitalité. Après une période difficile, vous allez quand même retrouver de la sensualité. Donc, sûrement, une fois que. Grâce à ce nouveau départ. Voilà. Ouais, vous allez tenter la chance de peut-être quitter quelqu'un. De toute manière, vous ne voulez pas être sous emprise de quelqu'un, mes amis Lyon. Vous voulez vraiment être indépendant. Hein. Mais vous aimez la tendresse, donc vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous ne voulez pas de... Ouais, je pense qu'il y a des lions qui ont vécu une trahison parce que voilà, c'était soit par intérêt, ouais, soit la personne était intéressée financièrement et je pense qu'elle vous a trahi. On me dit bien que vous êtes quand même une belle personne, hein, mais il y avait trop de jalousie aussi, hein. Ouais, vous voulez vraiment vous concrétiser quelque chose, faire des nouveaux projets dans le temps. Quelque chose de léger, d'accord? Mais, ouais, pour l'instant, vous êtes solitude. Ouais, pour l'instant, vous êtes en solitude, mais on a un coup de foudre qui arrive. Hein. Mais comme je vous ai dit, hein, moi, ça ne sera pas pour le mois de janvier, ça sera plutôt en février. Regardez, la rencontre, elle est loin quand même, hein. La vie de couple, elle est loin. Le bonheur, il est loin. Ok? Donc, il va y avoir un coup de foudre. Une nouvelle rencontre. Un vrai bonheur. Une vie de couple. Mais pas... Je ne pense pas que ça soit d'ici la fin janvier. Hein. Vous me direz en commentaire, mes amis Lyon. Je serais curieuse de savoir. Voilà. Allez, on va aller voir avec le Médéor. Pour vous, mes amis Lyon. Ce qu'on peut nous dire comme message. Allez, les Lyons, janvier 2024. Lyons, janvier 2024. Allez, pour les lions, janvier 2024, s'il vous plaît. Lions, janvier 2024, pourrais-je avoir un message, s'il vous plaît. Allez, quel message pour les lions. Ouais, on me dit que vous avez quand même
Vous souffrez, hein, intérieurement, vous souffrez, vous avez votre corps physique en souffrance. Vous avez besoin de changement, hein, vous avez vraiment besoin de vous reprendre en main, mes amis lions. Hein. On a un changement imminent qui vient. Un nouveau cycle qui s'annonce, d'accord? Ouais, avec beaucoup d'abondance. Ouais, donc l'abondance, c'est dans tous les domaines, hein. Ouais, on a un ex, donc évidemment, on a l'ex, ben, l'ex vous a fait souffrir, évidemment. Le changement imminent, ça peut, voilà, ça peut être un travail sur soi, se reprendre en main, avoir la force de se reprendre en main, d'accord? Allez, un dernier message pour les 1 million, s'il vous plaît. Alors, ben voilà, effectivement, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Il y a une réconciliation avec l'amour, donc voilà, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Il va y avoir des choix à faire, ça c'est sûr, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez bloqué. Ouais, on a un amour durable, hein. On a un amour durable parce que ben, vous êtes quand même une personne, vous avez du potentiel, vous êtes une belle personne, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, vous avez été menti, on a eu des propos, des personnes vous ont trahi, mais il va y avoir quand même des retombées positives parce que vous allez savoir vous protéger et vous réaliser. Même si vous avez des doutes, vous avez la réponse en vous, hein. Et il y a un bonheur total. Oui, on me dit bien que vous êtes en fin de cycle, hein, et vous allez rayonner. Hein. Vous allez rayonner, hein, mais voyez que là, l'être aimé est quand même loin. L'être aimé est quand même loin, donc c'est ce que je vous dis, hein, c'est que il y a une nouvelle rencontre, il y a un amour durable, mais... je ne pense pas qu'il y a des lions qui fassent une rencontre en ce mois de janvier. De toute manière, les énergies sont fluides. Hein. Ce voilà, c'est pas gravé dans le marbre. Hein, donc, ça peut durer sur le trimestre. Hein. OK? Voilà. Allez, on va aller prendre un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller, les anges? Allez. La vision. Ben, nous avions la clairvoyance tout à l'heure, hein, donc la vision, ça arrive bien, quoi. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouais, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Aimez-vous, reprenez-vous en main, mes amis lions, d'accord? Même si vous avez souffert d'une séparation ou d'une problématique quelconque, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est de vous reprendre en main pour pouvoir apporter l'amour. Voilà, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, ça veut tout dire. Allez, on va aller prendre... un message avec vos anges gardiens. Allez, pour les lions, janvier 2024. Elle est arrivée tout de suite. Hein. Ah, j'en ai deux, donc je vais prendre celle que j'ai vue. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc oui, parlez à votre ange gardien. Parlez ouvertement. Voilà, demandez-lui conseil. Demandez-lui qu'il vous envoie ce que vous avez envie de recevoir, quoi. D'accord? Demandez-lui de faire le bon choix. OK?
Allez, avec le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions, on y va pour vous, mes amis lions. Posez-vous une question, je vous donne la réponse. Alors, nous avons la planète Saturne, indique que tes turbulences vous attendent. Ah, 1, 2, 3. La planète Saturne indique que des turbulences vous attendent si vous le faites. Alors, attention à ce que vous faites. Comment vous le faites? Attention, ouais, parce qu'il risque d'y avoir quand même des crises, des coups de tonnerre, des chamboulements. Alors attention à comment vous agissez, d'accord? Attention à comment vous allez faire ce choix, mes amis lions. Voilà. Donc, si le message vous a parlé, ben écoutez, merci de me mettre un pouce, un commentaire, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et je vous souhaite encore une très très belle année 2024. À très bientôt.